Depuis la nuit des temps, la divine puissance Tricipita l'est rudement mise à l'épreuve et s'est déjà même déchirée face à sa propre puissance. Ils sont sollicités un peu partout et annihilés le mercredi, soit le troisième jour de la semaine. Et ceci est la troisième vidéo sur les triceps qui sont composés de trois chefs musculaires. Oui, mesdames et messieurs, tout est lié. Half-Life 3 n'est pas encore annoncé pour le moment, donc voilà, ça vient niquer mon intro, merci. Savoir annihiler ses triceps version 3. Et c'est parti avec de la barre au front à la poulie. Alors tu peux faire cet exercice à la barre libre, mais moi j'ai trois raisons de le faire à la poulie. La première raison, c'est que quand tu as les bras tendus, tu es tendu. Lorsque tu es sur une barre libre, il n'y a plus de tension sur tes triceps, alors qu'à la poulie, ça continue de tirer à crever. La deuxième raison, c'est que les articulations prennent moins cher qu'avec une barre libre. Bon, quand tu mets tous les poids comme moi, ça picote quand même un peu, hein. Et la troisième raison, c'est que si t'arrives à l'échec en bas du mouvement, tu ne te prends pas la barre sur la gueule. Deuxième exercice, extension des bras à la poulie haute. Alors j'ai mis tous les poids de la poulie, mais vu la puissance de mes triceps, c'est une petite promenade de santé. Alors je précise évidemment qu'on ne tend pas complètement les bras, c'est-à-dire que tu le tends au maximum sans le tendre complètement. Donc tu tends ton bras, mais au moment où ton articulation va se verrouiller, tu fais « Non, j'arrête !» Sinon tu vas choper une épicondylite, et puis tu devras manger des protéines bites. Maintenant, regardez-moi ça, la puissance de la tension exercée sur les triceps qui me font trembler à crever. On dirait que j'ai Parkinson, bordel de merde. Ouais, c'est la meilleure blague de tous les temps, les mecs. Je m'auto-applaudis, voilà, bravo. Je suis un génie. Et ensuite, t'enchaînes avec des séries dégressives afin de complètement cramer tes triceps jusque la dernière fibre. Alors, il paraît qu'en musculation, les dégressifs sont une arnaque. Donc désolé les mecs, je vous arnaque un peu, voilà, j'avoue. Je suis désolé, j'aurais peut-être dû faire un e-book à 20€. Non, ça c'est pas une arnaque, c'est pas du tout. On continue avec du développé prise largeur d'épaule à la machine. Et là, il y a une petite subtilité. Tu dois marquer 3 temps d'arrêt sur la phase positive. 1, 2... 3. Et ça va permettre quoi ça? Ça va permettre de complètement annihiler tes triceps. Là tu les as titillés un peu avec des poulies de merde, là tu les assommes complètement. Mais par contre, si tu es débutant, que tu n'as pas beaucoup de force, je te conseille de faire cet exercice sans marquer les temps d'arrêt sur la phase positive, puisque c'est une technique qui est plutôt pour les pratiquants avec un bon niveau. Donc voilà, désolé PJ, c'est pas pour toi. Maintenant, tu pousses à crever comme si t'étais sur les WC jusqu'à en faire un AVC. On enchaîne avec des extensions de bras à la poulie haute avec deux poignées distinctes. Donc, si tu n'as pas deux poignées distinctes, tu peux utiliser une corde. Mais moi, je préfère les poignées parce que ça te permet de rester en prise pronation, qui est, à mon sens, la meilleure prise pour les extensions de bras, hein. Donc, phase positive du mouvement en explosif et tu retiens la négative normalement, voilà. Et avec cet exercice, tes vastes externes vont tellement se développer que tu vas donner des coups de triceps à tout le monde. Et enfin, on termine avec du kick-kick-back alter derrière la tête. Donc voilà, un peu d'unilatéral, ça fait jamais de mal, surtout quand la symétrie se fait la malle. Et donc là, tu te pètes la longue portion des triceps à coups d'alter de merde. Alors t'en as toujours qui me demandent « Ouais, Jean-Ange, pourquoi tu portes tes lunettes à l'entraînement? Ça fait un télo, ça va pas avec un corps musclé ?» Eh ben c'est tout simplement pour mieux voir à quel point je suis plus balèze que les autres. En plus, ce sont des nouvelles et elles foncent au soleil. Ce qui est complètement inutile en Belgique, voilà, je me suis fait arnaquer. Et en plus... même quand il y a du soleil, je ferme les volets et je joue aux jeux vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette annihilation ultime de triceps. N'oubliez pas les codes des sponsors TNT Sport et Warrior Gear. Et on se retrouve très bientôt pour l'album musclé. Là, vendredi, je sors un single. Vendredi matin, je sors un single. Et puis l'album arrivera la semaine d'après en entier. Et chez Damar, il sortira en dentier.